gros perdant dans ce duel contre son ex-poulain, ses inconditionnels, dont Emma Louès, Nadège Tchoubiana, qu'il avait appelé au secours, et Mola ont viré chez l'adversaire. Et ont même décidé de narguer le Dashikan comme pour lui dire qu'il en fait trop. Pour démontrer à Diggy Arafal qu'il ne partage pas ses attaques contre Areshine, Mola, à la tête d'une délégation composée de Emma Louès et Nadège Tchoubiana, est allé apporter son soutien aux désormais ennemis de Dashikan. L'homme fort de M Group a formulé des mots d'encouragement à l'endroit du jeune Ariel Chené, dernièrement accablé de pique par Dashikan sur la toile. J'apporte mon soutien à Ariel Chené comme je l'ai fait pour Arafat quand il était plus jeune. Les créateurs du coupé de Calais sont encore en vie. C'est nous qui avons initié le mouvement dans le pays. On a dit qu'il faut soutenir un artiste qui commence à évoluer. Ariel Chené fait son travail tranquillement, encouragez-le et laissez Facebook, a déclaré Mola avant de prendre affectueusement son poulet dans les bras comme pour lui confirmer son soutien. Également, pour donner plus de visibilité à leur position, Emma Louès se charge de diffuser en direct une vidéo depuis l'internat. Bien aux côtés des musiciens d'Ariel Chené, Emma Louès affiche sa joie d'avoir pris position pour l'auteur de Simpa. Elle esquisse même des pas de danse, faisant comprendre à son ex-compagnon qu'il gagnerait à passer à autre chose que de s'attaquer à Ariel Chené. Les gestes d'Emma Louès seront suivis d'un travaillement sur l'artiste et son équipe. Ayant vu la vidéo, Diggy Arafat, ex-petit ami d'Emma Louès et actuellement adversaire d'Ariel Chené, a déversé dans une vidéo ses vérités sur celle-ci. Il dit, et je cite, « Tu rentres dans des guéguerres qui ne t'arrangent pas. Tu n'es, à ton âge, ni marié, ni casé alors que tu vas fréquemment à casa dans des fêtes. Continue, tu vas rester au milieu. Tu veux me laisser des piques car je t'ai trollé pour aller me marier avec ma femme. Tu te sens obligé d'aller dans les concerts et faire des directs. Vous vous créez des ennemis à vie. » La guerre vient d'être simplement déclarée à nouveau entre Arafat et Emma Louès qui a fait à son tour une belle réplique en vidéo. Dansant, elle a accompagné sa vidéo de la légende suivante. Ma réponse aux jaloux des autres, c'est ça.